C'est des nouvelles inofficielles, donc je ne réagis pas là-dessus. Les nouvelles qui viennent du club, ils sont différentes. Donc si des gens écrivent des choses comme ça, c'est à leur propre dépens. Je regrette que ça se fait parce que c'est des choses qui ne viennent pas du club. Donc si nous, on annonce la situation de Cumms comme on le fait, ben là, il faut respecter ces choses-là. Il y a quand même du respect pour l'individu, pour la personne. Et si on commence à envoyer des rumeurs, on peut le faire avec tout le monde alors. Hein. Donc Cumms, il n'est pas encore prêt pour jouer, on le savait. Mais ça va beaucoup mieux. Cette semaine, il est déjà apparu sur le terrain pour recommencer le travail sur le terrain. Donc ça va du bon côté. On a eu beaucoup de petites gênes cette semaine, donc avec plusieurs, Bono au début qui n'était pas encore 100%, mais ça a l'air d'aller mieux, de mieux en mieux. Vranjes qui ne s'est pas entraîné au début de semaine non plus, il a quand même, aujourd'hui il a pu s'entraîner, Minic aussi a été sur le terrain aujourd'hui pour la première fois. On a eu Bakali qui a été malade, Hannes Delcroix avec des petites gênes. Donc il y a tout eu des différentes choses de très belles. Mais j'ai quand même l'impression, il nous reste encore 2 jours, que la grande partie va être fit pour être sélectionnée. Coach, il y a un sentiment lancé avec Goldfrey, c'est ça, vous lancez. Ik denk dat Santini een speler is die al heel veelbelovend was als jonge gast in Kroatië, waar Kortrijk eigenlijk hem toen al op het spoor was, maar hij niet kon halen omdat hij te veel moest kosten voor Kortrijk. Kortrijk kon geen transfers doen van dat niveau. Dat was dan nog een bescheiden niveau qua prijs, maar zelfs dat kon Kortrijk niet. Dus Kortrijk heeft eigenlijk moeten wachten tot hij in Freiburg een beetje op een zijspoor zat, alleen maar invalbeurtjes en zo meer. En dan zijn ze ervoor gegaan. En hij heeft daar inderdaad onmiddellijk bevestigd met ook heel veel doelpunten in het begin. Dan is dat wel een beetje stilgevallen in de tweede helft van de competitie. Maar oké, heeft een heel mooi parcours afgelegd. Hè. Ik herinner mij dat hij toen de tijd met Koulibaly, met Stijn de Smet in steun, dat toch een te duchten offensieve linie was. Die ook de groten pijn deed. Hè. Ik herinner mij een match tegen Club Brugge, 4-1. Ik denk winst op Anderlecht ook dat jaar. Dus hij is iemand die perfect alleen kan functioneren, maar misschien nog beter met twee zelfs. Met twee, ik noem het dan niet twee spitsen, ik noem het twee bliksemafleiders, waar dat de verdediging van de tegenstander extra aandacht aan besteedt. Maar hij kan het ook perfect alleen. Hè. Dus hij is in staat om de twee te spelen. Dan is hij uiteindelijk de stap gezet naar Standaard. Dat is toch ook goed verlopen, moet ik zeggen. Daar heeft hij ook zijn kwaliteiten bewezen. En dan naar Frankrijk. Een beetje misschien in een vergeten gat. Hè. Kan niet onmiddellijk de meest aantrekkelijke ploeg. Maar als je de cijfers ziet die hij daar ook heeft neergezet in een ploeg die in een land dat sowieso al defensiever speelt, dan kan je niet zeggen dat hij daar onzichtbaar is gebleven. Hè. Dus we zijn hem blijven volgen, ik ben hem ook wel blijven volgen. En uiteindelijk, dan is het op een bepaald moment beslissen. Hè. Ga je ervoor, een speler die toch al wat van leeftijd is, hè, want hij is niet meer bij de jongste. Maar hij is nog niet verre van versleten. En oké, het is nu natuurlijk ongelooflijk dat hij zoveel doelpunten gemaakt heeft voor ons. Hè, maar ik moest eigenlijk dat niet verwacht had dat hij onmiddellijk 6 ging maken in 2 matchen. Hè. Dat is duidelijk. Dus, maar oké, er gaan ook nog wel matchen komen dat het wat moeilijker zal zijn. Hè. Dat weet ik ook. Hè. Ik ken hem goed. Dus, maar zolang dat het vlot loopt, laat ons hopen dat hij die lijn nog een heel eindje kan doortrekken. Ben je verrast voor zijn evolutie? Is hij nu een compleet spits? Hij is meer ervaren. Hij is rustiger geworden, denk ik ook. Op dat vlak maakt zich niet zoveel zorgen niet meer als de keer wat tegen zit, de bal verliest, een keer een kans missen of zo. Daar waar hij daar vroeger wellicht toch meer mee bezig was, kan hij dan nu beter plaatsen, denk ik. Kan hij blijven zoals nu, eerste helft tegen Oostende, waar hij eigenlijk
ja, waar we wel heel veel voorzetten hebben gebracht, maar waar hij nooit echt goed stond. En ja, dan gingen zij vroeger misschien al een keer sneller aan gaan zorgen maken, ergeren. En nu blijft hij rustig en gaat hij gewoon voor de volgende fase. En oké, dat heeft hij ook bewezen in de tweede helft. Dus dat is zeker een evolutie geweest. Zijn finishing skills, die zijn er altijd geweest. Die waren er al van toen hij heel jong was, denk ik, tot nu. Dat is eigenlijk weinig veranderd. Maar op dat vlak is het altijd iemand geweest die heel goed kon afwerken. Dus, maar uiteindelijk, je hebt voorstanders voor Pieter. Je hebt er jongens die zich door vragen bij stellen. Alleen moet je een keer alle acties bekijken die hij maakt in een wedstrijd. Hè. Dat hij veel meters maakt, dat weet iedereen ondertussen al. Hij zorgt ook voor een defensief evenwicht. Hè, want hij doet heel veel defensieve arbeid. Als je met twee spitsen speelt, ik moet wel zeggen dat Santini ook heel veel werkt. Hè. Die doet ook heel veel meters. Die Matta doet er wat minder, maar die Matta doet ongelooflijk veel spurtmeters. Dus die doet de meeste, meer dan dubbel spurtmeters van al de rest, denk ik. Dus dat verklaart ook waarom hij in totaal misschien iets minder meters doet. Maar ze vullen elkaar perfect aan. Hè. Die Matta is de man van de diepgang, van de snelheid ook. Gevaar op dat vlak. Santini is de killer, maar ook de sterke spits. En Gerkes is uiteindelijk de slimme offensieve speler die heel gepaste loopacties maakt, die daarmee ruimte creëert voor anderen, die zelf vaak ook in de juiste ruimte duikt. Dus op die manier is hij heel nuttig voor het elftal, zorgt hij mee voor het balans in het elftal uiteindelijk. En ja, dat er nu voor het moment twee jongens offensief in de schijn hebben lopen, omdat ze al samen 9 goals hebben gemaakt, dat is logisch. Hè? En dan val je even uit de schijnwerper misschien, maar er zijn momenten gaan zeker ook nog komen en zijn goals gaan zeker ook nog komen, dus wat dat betreft maak ik mij weinig zorgen. Maar je pas question d'être sacrifié, hein. Je crois que Pieter, c'est un gars qui déjà il se met pas dans les spots, il aime rester modeste et faire son boulot. Donc ça lui va pas du tout d'être dans les spots ou comme on dit dans voilà. Mais ok, il aime marquer des buts, il aime être utile, mais il a autant et peut-être même plus de plaisir quand les autres marquent. Donc c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur qui joue en fonction de l'équipe et qui sait comme ça ajouter quelque chose à l'équipe aussi. Parfois, tu as des joueurs individuels qui ont des qualités, mais qui n'ajoutent pas grand-chose à l'équipe. Et Gerkes, c'est quelqu'un qui a ses qualités personnelles, mais qui ajoute encore quelque chose à l'équipe avec le travail qu'il fait, avec l'intelligence de course qu'il a et avec son boulot pour le reste de l'équipe. Donc, dat moeten we zien. Hè. Ik denk dat Bakal iemand is die inderdaad meer de individuele actie heeft. Maar oké, dan moeten we zien of dat het functioneert in functie met andere jongens. Dan moet je zien of het evenwicht in je ploeg nog klopt ook. Dus oké, voor het moment is hij nog niet klaar. En dat wisten we ook. Dus daar kan nog wat tijd over gaan. Maar oké, hij is aan het werken aan die progressie. En we zullen zien op termijn hoe dan we hem kunnen gebruiken, in welk evenwicht we hem kunnen gebruiken, dat zijn allemaal vragen voor later. Non, parce que si tu regardes bien la première mi-temps de contre Ostende, je crois qu'on n'a jamais dans toute la partie où moi je suis là, toute la période que moi je suis là, on n'a jamais dominé tellement un flanc. Le flanc droit était Gerkens, Salamakers, Trebel. C'était 45 minutes à fond. On passait de ce côté. Malheureusement, on a ou oublié de mettre le bon centre et de trouver l'homme libre, ou on n'était pas assez présent sur les bons centres qui, de temps en temps, venaient. Mais j'ai vu Trebel mettre 4-5 centres du côté droit. J'ai vu des actions entre lui et Salamakers, entre Salamakers et Gerkens. Et ce côté droit, on l'a vraiment fusillé. Mais ok, à cause du fait qu'il n'y a pas un ballon qui est rentré, on n'en a pas parlé. Mais quand tu regardes les 45 premières minutes, tu vas voir tout de suite que ce côté droit,
C'était la meilleure chose que j'ai vue depuis que je suis là. Voilà. Je n'ai jamais vu un côté dominer autant l'autre côté. Parce que de l'autre côté, on a mis quelques centres, mais tout venait du côté droit et ça marchait très, très, très bien. On n'a pas fait deux très bons matchs. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Hein. Non, mais vous jugez tous sur le but, sur les résultats. Moi, je dis qu'on n'a pas fait deux très bons matchs. On a fait, disons, peut-être le foot moderne. On était très efficace. Donc ça, c'est le foot moderne. Mais pour moi, ce n'était pas encore des tout bons matchs. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu le terrain. Donc, on est deux semaines plus tard, donc en deux semaines, il y a beaucoup qui peut changer, mais je ne sais pas ce qu'on doit attendre là-bas. Je vais voir quand j'arrive là-bas, donc c'est difficile de parler de ça si je ne vois pas la situation. Est-ce que vous prenez ce match contre Charleroi comme un premier vrai test pour savoir où on est Je dois dire que le niveau augmente, hein. Avec tout le respect pour Courtrai. Je crois que déplacement à Courtrai, c'est pas évident non plus, mais je crois que Courtrai n'était pas encore tout à fait prêt. Ostende en déplacement, je crois que là aussi, Gert Verheyen a besoin de plus de temps encore pour mettre cette équipe vraiment bien en place. Donc ils sont aussi au début du travail avec lui. Donc ce n'est pas encore le meilleur Ostende qu'on a vu. Maintenant, on va confronter une équipe qui est déjà pendant des années en place presque, hein. Donc même si de temps en temps les meilleurs partent, ils ont une équipe encore mieux équilibrée cette année-ci, je crois. À chaque position, ils ont des changements sans beaucoup perdre de qualité. Et pour moi, c'est la première fois qu'on va jouer contre une équipe qui est candidat au play-off. Hein. Voilà. Je ne crois pas que Courtrai, Ostende, ça va être difficile pour eux, mais Charleroi, on doit être sérieux, ça c'est un candidat, vraiment un candidat pour le play-off. Hein. Donc ce sera un premier test pour après, dans les semaines à venir, voir arriver Bruges, Genk, Standard. Donc c'est pour nous un peu, c'est la prochaine étape. Voilà. En plus, en déplacement, ça fait que la tâche est encore plus difficile. Charleroi, pour eux, les matchs, comme ils ne jouent pas l'Europe cette année-ci, les matchs contre Anderlecht et Standard, c'est pour eux Barça et Real Madrid. Hein, donc ils vont être très motivés, ils vont vouloir battre Anderlecht, c'est clair, ils le font chaque année. Dans les années où ils jouent peut-être l'Europe, ils ont encore d'autres choses en tête. Maintenant, ils peuvent vraiment se concentrer sur ces duels-là, le Standard, Anderlecht surtout, ces deux équipes-là. Donc, chaque fois qu'Anderlecht va à Charleroi, c'est des matchs très très difficiles pour Anderlecht et ce ne sera pas différemment cette fois-ci. Proficiat voor Leander. Hè. Dat is een mooie stap voor hem, de volgende stap. Dat is de bevestiging wat ik al een tijdje heb gezegd. Dat hij onze club ging verlaten. Hè. Dat het moment was om te vertrekken voor hem. En ook voor ons, denk ik. Dus gefeliciteerd. En ik hoop voor hem dat alles goed verloopt. En dat hij de volgende stap kan zetten in zijn verdere carrière. Als hij het goed doet bij Wolverhampton, dan zit er misschien nog meer in de toekomst. Okay, we moeten ook kijken wat Wolverhampton zal brengen. Hè. Het is een nieuwkomer dit jaar met ambitie. Misschien maken ze wel een fantastisch jaar door. En hoeft hij niet nog te verleggen. Wat spelen zij al subtop bijvoorbeeld. Hè. Dus daar kan je niet op vooruit lopen. Ik ben blij voor hem, omdat hij er uiteindelijk lang heeft moeten op wachten. Een paar keer het net niet heeft geweest. En uiteindelijk heeft hij nu toch zijn volgende challenge te pakken. Nee, ik heb hem niet meer gezien. Dus, ik hoor dat hij van de morgen op de club is geweest, maar ik heb hem niet gezien. Dus ik zal hem de eerste dag wel nog een keer horen. Ils ne sont pas encore dans la sélection, je crois. Najar et Saïf, Najar est en train de s'entraîner avec le groupe. Théo est en train de faire les entraînements plus intensifs, comme Kara aussi. Donc, c'est encore un peu tôt pour les prendre dans la sélection, je crois. Saïf, il est encore en revalidation, lui. Donc, lui, il continue à avoir quand même quelques problèmes et on espère le récupérer dans, disons, une semaine.
op Theo? Ik ga er geen uitspraken over doen. We kennen de situatie en zolang dat, dat we niet aan dat, met dat probleem geconfronteerd worden, heeft het ook geen zin om daar nu uitspraken over te doen. Dus, wij pakken nu momenteel Douda bij de groep als derde spits. Douda heeft al bewezen dat hij kan invallen en dat hij zijn kwaliteiten heeft, heeft al genoeg bewezen. De vraag is natuurlijk, als je spitsen moest verliezen voor langere tijd, of dat dan dat de oplossing is, dat is iets waar we nog geen antwoord op hebben. Ik ga daar geen commentaar op geven. Als ik aan het Nieuwsblad geen antwoord geef, dan ga ik aan het Laatste Nieuws ook geen antwoord geven. Hè. Anders heb ik ruzie met een van de twee bazen. Dus, Je ne sais pas, c'est vrai? C'est vrai, j'ai commencé une fois avec 10 sur 12. Ça, je me rappelle. La première année avec Courtrai, je crois même. 10 sur 12. Non, 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 parce que je l'ai dit à mes joueurs aussi que après le week-end, on peut aussi bien être septième. Hein. Je ne sais pas, on est deux avec six et puis quatre avec quatre points, je crois. Et même Charleroi, hein, si Charleroi gagne, ils ont six points aussi. Hein, donc ça peut aller au début très vite. Hein. Si tu perds le match, tu peux être tout de suite septième, par exemple. Donc on ne doit pas être tout euphorique non plus parce que tu as gagné deux matchs. Il faut quand même garder un peu les pieds sur terre. Et je crois qu'on sera déjà... on va se réveiller déjà un petit peu samedi, hein, dimanche, hein, à Charleroi. Ça va être quand même tout à fait un autre match que les deux derniers qu'on a joués.